Alors mon année, elle s'est passée ultra bien déjà, parce que c'est vraiment un autre monde, c'est génial, c'est juste génial tout simplement. J'ai vachement progressé, j'ai démarré sur Overwatch, j'étais pas classé, je venais de commencer le jeu, enfin j'avais déjà des bases sur Overwatch 1, mais j'ai commencé Overwatch 2 en étant Silver Gold, et là actuellement je suis Master, donc ça fait une belle progression. Je compte pas m'arrêter là, parce que bah, il faut être minimum Grand Master top 500 pour essayer au moins d'être pro. Et donc voilà pour Overwatch. Et sinon mon année, non vraiment, elle s'est super bien passée quoi. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire et que je poursuivrai l'année prochaine. En arrivant à PSG, j'étais on va dire platine 4 et j'ai réussi à atteindre mon pick elo qui est diamant 1, enfin BO Master du coup. Et du coup on va dire que c'est une bonne très bonne progression. Et ce que j'ai pensé de mon année à PSG là maintenant, j'aurais dit que j'ai fait des très bons cours. J'ai bien aimé personnellement. Même si on va dire mes résultats ça reste correct. Mais ouais, j'ai très bien aimé mon année. Du coup, mon année à PSG, en termes d'environnement de jeu, je pense qu'on ne peut pas vraiment demander mieux. C'est incroyable, il y a les meilleurs composants, les meilleurs PC, il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit bien, la bonne connexion. En termes d'environnement de vie, c'est pas toujours le meilleur parce que bon, là, il y a la nourriture et tout, c'est compliqué, il faut faire à la cuisine. Mais bon, niveau jeu, c'est le plus important, c'est super. Du coup, et puis en termes de progression, j'ai beaucoup progressé au début, vraiment progression fulgurante. Je crois que j'ai fait Gold 1 jusqu'à Diamant 1 en 2 mois, 3 mois. Et après, j'ai stagné. Et puis, j'apprends de différentes choses. Et puis, du coup, ça peut pas toujours être en flush, mais du coup, ouais, c'est intéressant. Et puis, niveau mentalement même, ça, je me suis beaucoup plus discipliné et j'ai plus le goût de faire les choses. Alors mon année à PSG, c'est plutôt bien passé ensemble. C'est vrai que l'environnement de l'école, elle est vraiment pas mal. Parce que on a les PC, on a les meilleurs PC possibles, on a un écran de qualité, on a les chaises, on a le bureau, on a l'ambiance, parce qu'on est tous là pour la même chose, tous là autour du jeu et de la passion pour devenir les meilleurs. Sinon pour ce qui est ma progression, quand je suis arrivé ici j'étais D1 Master mais plus proche du D1 que du Master. Après j'ai fait un pic au Master 150 LP. Après malheureusement j'ai rétro puis remonté puis rétro, j'ai stagné pour faire ça. Après ce qui est bien c'est que comparé à avant où j'étais aux portes du Master, c'était par instinct. Je comprenais rien au jeu et tout, j'étais juste à l'instinct en mode bagarre. Tandis que là aujourd'hui ce que je fais c'est je réfléchis, je comprends les choses, tout est fait par... Tout est réfléchi, il n'y a pas de « oh j'ai eu de la chance », c'est grâce au coaching et à l'entraînement quotidien. Alors, mon année à PAG en soi s'est vraiment très bien passé, que ce soit au niveau des cours théoriques qu'on a pu avoir comme au niveau du coaching. J'ai appris pas mal de choses en fait, parce que j'ai découvert, sauf l'anglais en soi, toutes les matières qu'on a, c'était du nouveau pour moi. Le coaching en soi aussi, c'était du nouveau pour moi, même si c'est sur un jeu que je connais quand même très bien. Les coachs ont été vraiment top. J'ai découvert ce que c'était vraiment de se faire coacher, de suivre des conseils des personnes qui ont plus d'expérience que soi, c'est vraiment enrichissant. Les cours le matin, on a été avec des gens qui savent super bien de quoi ils parlent, qui travaillent dans le milieu, qui du coup ont eu beaucoup de choses à nous apporter, des conseils qui nous aideront beaucoup, à mon avis. Et après, sur la progression au fil de l'année, ma progression a été vraiment monstrueuse. Alors que je suis quand même assez dur avec moi-même, je trouve. Et quand je m'entraînais tout seul, je voyais bien que ça n'avait absolument rien à voir. Donc les conseils des coachs, les reviews, les séances de coaching qu'on a fait ensemble ont été hyper importantes pour moi et pour beaucoup d'autres. Il y a aussi des conseils d'autres joueurs avec plus d'expérience qui ont été super importants. Et forcément, l'entraînement, minimum 4 heures par jour, ça instaure un rythme qui est vraiment qui est pas simple à suivre au début, mais après une fois qu'on s'y met et qu'on même l'augmente si on a envie de progresser encore plus, ce rythme il est vraiment top et la progression elle suit. Là ça fait depuis octobre du coup qu'on est dans cet esprit là, qu'on est dans le jeu à l'internat, on parle tout le temps de notre jeu, on s'entraîne tout le temps et au final la progression est monstrueuse.